Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de À l'affiche, direction Angoulême. Le Festival international de la bande dessinée souffle ses 50 bougies. Il s'est ouvert le 25 janvier par une consécration. Riyad Satouf s'est vu décerner le grand prix du festival, récompense suprême du monde de la BD française pour l'auteur de L'Arabe du futur, des Cahiers d'Esther ou encore de Pascal Brutal. La grand-messe de la BD, qui au fil des années n'a pas été épargnée par les polémiques. La dernière en date, l'annulation de l'exposition Bastien Vivès il y a 6 semaines. Le dessinateur de Paulina fait depuis l'objet d'une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques. Malgré ces tensions, l'édition anniversaire attend 200 000 visiteurs et mise sur le manga pour attirer les foules. Alors quel est l'impact de ce grand rendez-vous sur le monde de la BD? Réponse avec Charlotte Prudhomme. Les premiers pas de Clara dans la cité de la bande dessinée. Cette jeune artiste belge de 25 ans vient de réaliser son premier album, Merel, l'histoire d'une cinquantenaire célibataire dans un petit village de Flandre. Et forcément, l'annonce de sa sélection officielle ne l'a pas laissée de marbre. Quand je l'ai appris, j'ai été impressionnée, j'ai été excitée, j'ai eu peur aussi. Angoulême, c'est quand même exceptionnel et voilà, c'est impressionnant. Depuis sa création en 1974, le festival a consacré de nombreux auteurs et livres devenus des classiques du 9e art, comme Corto Maltese d'Hugo Pratt, Mao, Star Spiegelman, L'Arabe du futur de Riyad Satouf, qui vient de remporter le prestigieux grand prix de cette 50e édition. Quand j'étais enfant et j'étais ado, je rêvais de faire des bandes dessinées. Alors je n'ai jamais pensé une seule seconde que je pourrais avoir le grand prix d'Angoulême. Il y avait Crumb, Druyer, Moebius qu'il avait eu. Voilà, ça me semble un petit peu surnaturel. Dans un pays où un livre vendu sur 4 est une bande dessinée, Angoulême fait figure de référence. En 50 ans, ce que le festival a fait d'essentiel, c'est d'avoir contribué à faire de la bande dessinée un art, une forme d'expression à part entière. Dès l'origine, ce festival a regardé les créateurs de bande dessinée comme des artistes. Le festival s'efforce aussi de refléter les tendances. Alors que les mangas cartonnent en France et dans le monde, il accueille la première rétrospective européenne consacrée à l'attaque des titans du japonais Hajime Isayama. Je trouve ça assez magique de pouvoir aller rencontrer l'auteur et voir ses planches en réalité en France, à Angoulême ici. On est super content d'être ici, ouais, et de voir cette expo. J'ai regardé attentivement les dessins, j'ai été... et bluffé vraiment par le travail d'artiste qui est là. Ici, les fans et les curieux peuvent admirer près de 170 planches originales de la série culte, vendues à plus de 100 millions d'exemplaires et adaptées par Netflix. L'attaque des titans est probablement l'une des propositions de mythologie pop contemporaine les plus stimulantes du moment. On a vraiment une œuvre unique qui ne ressemble à aucune autre, qui est exigeante sur le fond comme sur la forme et qui a pu rencontrer un très très grand public. Reconnue ville créative de littérature par l'UNESCO, Angoulême n'a pas fini de se réinventer. Tourné vers le numérique, le festival reste, avec ses 50 bougies, bien dans sa bulle. Le marché du 9e art a le vent en poupe. 84 millions d'ouvrages ont trouvé preneur en 2022. C'est encore une année record selon des chiffres publiés hier. À côté des mangas, le festival propose bien d'autres expositions au quartier jeunesse notamment. Arrêtons-nous sur celle de Marguerite Aboué, la scénariste de Aya de Youpougon. Et Akissi, on la retrouve au cœur de l'expo « La vie comme elle va ». Bonjour Marguerite Aboué. Bonjour. Alors l'exposition commence avec vos trois séries ivoiriennes et quelques originaux, des ambiances, des vues d'Abidjan, Akisser, Commissaire Kwame, Aya de Youpougon. On croise aussi votre famille en BD, vos dessinateurs Clément Aubrery, Mathieu Sapin, entre autres, sont mis en valeur. Ma première question est très simple, Marguerite, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans votre expo. Pourquoi, en tant que scénariste, avoir choisi le monde de la BD, avoir choisi la BD? Bah, pour justement montrer, plonger le lecteur dans ce quotidien flamboyant, lumineux, urbain. Et pour moi, il fallait sortir aussi de la bande dessinée. Et avec cette exposition, bah, c'est magique parce que c'est vraiment bienvenu à Youpougon, dans ce quartier multiculturel et
et la possibilité de rencontrer mes personnages, les histoires, pourquoi on raconte Akissi, Aya, voir comment ça se fabrique, sentir aussi les épices ivoiriennes, parce qu'il y a aussi les odeurs, et voilà, plonger vraiment le lecteur dans cet univers qui m'inspire et qui me rend fière, parce que j'aime ce quartier, j'aime ce pays, et pour moi c'est important de le partager, tout simplement. Un mot sur Aya de Yopougon, qui est votre personnage star. C'est une fille modèle, une bonne copine qui veut réussir ses études. Son histoire se passe dans ce quartier d'Abidjan qui vous a vu grandir. Oui, oui. Alors Aya, elle ressemble à des milliers de jeunes femmes. Hein. Elle est militante. Elle veut faire bouger les choses. Elle veut choisir. Elle veut avoir le choix de faire des études, de choisir l'homme qu'elle aime. Et oui, Aya, c'est un peu mon, on va dire, celle par qui j'aimerais raconter de belles histoires. C'est un peu mon combat, en fait. C'est ça, Aya, elle est mes yeux, comme ça, et j'aimerais tant que les choses se passent aussi bien, en tout cas, avec toutes ces jeunes filles qui rêvent d'être Aya. Oui. Et dans vos récits... C'est une militante, comme vous. Dans vos récits, vous montrez le monde tel qu'il est, à travers une dimension politique, sociétale. Quel est votre but, par exemple, en dénonçant la corruption ou en parlant d'homosexualité ? Tout simplement que ça existe. Je veux dire, je n'invente rien. La corruption, elle existe. Et je trouve même qu'elle s'installe. Et on trouve même ça normal, surtout en Côte d'Ivoire, qu'un policier vous arrête toutes les dix minutes et vous demande de l'argent. Enfin, il y a un moment, il faut juste rétablir les choses et le combattre. Et c'est pour ça que j'invente un personnage intègre comme le commissaire Kwame, parce que c'est ce qu'on devrait plutôt voir dans ces villes, des gens qui sont intègres et qui veulent juste réparer les choses, parce que c'est pas normal. Et puis en plus, l'homosexualité, c'est quelque chose qui existe en Afrique, et en parler, ça peut aussi susciter des débats et puis faire avancer les choses. Un mot sur la langue, c'est quelle science, Choco Chaka, le Nushi, ce français africanisé, s'étale sur les murs de l'exposition. Ce langage qui est dans vos BD, vous n'avez rien inventé, c'est hilarant. Non, je n'ai rien inventé. C'est la bande-son d'Aya, d'Akissi, du commissaire Kwame. C'était important pour moi de mettre aussi le langage dans mes histoires, parce que ça fait partie de ce pays. Et je suis assez fière, parce que tous ces mots sont entrés aujourd'hui dans le Larousse. Vous savez, Saféré, Sanjaillé, Lago, le Gaou. Et je suis assez fière, quand je prends le bus ou le métro à Paris, d'entendre les jeunes blancs, noirs, parler ce langage qui est aussi arrivé par Magic System. Vous savez, ce sont eux qui ont fait connaître le Nushi un peu aussi à travers le monde, et Gaou, le premier Gaou, c'est cette fameuse chanson connue internationalement. C'est foisonnant, parce que il y a plein de jeunes qui inventent tous les jours, qui inventent des mots, et j'aime bien, parce que ils ont fait du français, de cette langue du colon, quelque chose qui leur est propre. Et aujourd'hui, c'est super, parce que ce sont eux qui colonialisent le colon, et ça, c'est super. Marguerite Aboué, très rapidement, en Côte d'Ivoire, vos personnages sont des stars. Grâce à eux, vous avez pu ouvrir des bibliothèques jeunesse. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui voudraient être des Aya plus tard ? Oui, dans mes bibliothèques, il y a autant de filles que des garçons, et puis toutes, elles sont brillantes, et
Elles aimeraient être médecin, avocate, autrice et dessinatrice, réalisatrice. Et puis on les aide surtout à réaliser leurs rêves. Et on le pousse à aller le plus loin possible dans les études. Et surtout, on discute beaucoup avec les parents pour leur dire qu'elles peuvent aussi avoir des diplômes et de juste les laisser aller faire des études, tout simplement. C'est la base, l'éducation. Et je milite beaucoup pour ça. Et puis, c'est pour ça que j'ai créé cette association qui s'appelle Des Livres pour Tous. Et on a 5000 enfants qui sont inscrits. On en a 5 à Abidjan et à sa région. Et j'invite vraiment les maires des autres communes à nous contacter pour qu'on en ouvre partout dans les autres villes. L'appel est passé. Parce que c'est important, tout simplement. Merci infiniment, merci Marguerite Aboué, pour votre temps. Merci infiniment et merci à Charlotte Prudhomme qui est derrière la caméra. Le 7e tome de Aya de Youpougon est sorti à l'automne dernier et Marguerite le disait, grâce à son association Des Livres pour Tous, 5 bibliothèques jeunesse ont pu être ouvertes à Abidjan. On se quitte avec des images d'une autre expo, toujours la grande classe de la Québécoise Julie Doucet, Grand Prix 2022, figure de proue féministe de la bande dessinée alternative. Elle présente ses créations fouillées et subversives. Julie Doucet, reine de l'underground des années 90. Merci à tous de votre attention. L'info continue sur France 24 et sur nos réseaux sociaux et notre site internet www.france24.com.